Oui, c'est moi, Charlie. Charlie, Jean-Charles Bourne. Allez, monsieur, fait une connerie. J'ai besoin que tu m'aides, tout de suite. Sa température a à peine baissé. Elle est morte depuis quelques heures seulement. Sûrement entre 11h et 13h. Ça ressemble au coup du lapin. Plutôt avec le tranchant de la main qu'avec un objet contondant, genre coup de karaté. Fallait pas besoin d'être un champion d'arts martiaux pour tuer une gamine comme ça, quand même. Ça a pas dû prendre plus de 10 secondes de la déposer et de repartir. Pour l'appel à témoins, ça va être coton. T'as vérifié les caméras du parking? Bah ouais, mais elle est braquée sur la sortie et les barrières. On voit pas plus loin. Elle a été violée. Elle porte des traces, sans doute, de doigts sur les fesses. Et sur le haut des cuisses, face interne et externe. Avec un peu de chance, on aura un jeu entier d'empreintes. Et tu peux prélever des empreintes sur la peau, comme ça? Francine! Je veux qu'elle soit entièrement emballée dans un sac stérile, tout de suite. Et vous vous débrouillez pour pas toucher sa peau, merci. Je vais appeler le légiste. Et pour répondre à ta question, c'est possible dans certaines conditions. Le problème, c'est que les empreintes digitales ont en gros la même constitution chimique que la surface du derme. Je me méfie des méthodes classiques de prélèvement. Si on réussit pas du premier coup à transférer l'empreinte sur une plaque d'argent ou un ruban, elle est détruite. Donc je vais m'en occuper personnellement. Je préfère ma méthode à l'iode. Je vais rechecker le parking. Ouais.
On n'a trouvé aucune empreinte sur les marques que j'ai relevées in situ à l'intérieur des cuisses. En revanche, deux empreintes complètes au niveau des chevilles. Et deux autres incomplètes sur les avant-bras. Et j'ai un nom. Hakim Fedish. Ok, et la cause de la mort ? La moelle épinière a été sectionnée partiellement en C2. Ce qui a interrompu instantanément les fonctions vitales. D'accord. Merci, Bélier. Olivier ? Ouais. Tiens, Bélier a des empreintes répertoriées. Le type s'appelle Hakim Fedish. Ok. Hein ? Ouais. Ouais, c'est moi, ça va ? Ouais. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de te rappeler. Ça va, vous êtes à la maison ? Ouais, on vient de rentrer. On a passé 2 heures dans les embouteillages. Je me suis engueulée avec ma mère. Je suis malade, t'es pas là. Super fin de week-end, quoi. Et toi, tu vas rentrer tard, tu crois ? Bah, je sais pas encore. Bon, je t'attends pas, alors. Allô ? Allô ? Martin ? Excuse-moi, j'entends rien avec le petit qui braille, là. Ouais, non, moi, je te laisse. On se rappelle, je t'embrasse. Ok, ça marche, je t'embrasse. Ciao. C'est lui ? Ouais, ouais, Hakim Fedish, 52 ans, célibataire. Il est en conditionnel, là. Il y a 4 ans, il a été condamné à 5 ans pour proxénétisme. Il s'est tenu à carreau, visiblement, depuis sa sortie de Fresnes. Il habite 18 rue des 7 Arpents à Pantin. C'est à 1 kilomètre de l'endroit où on a retrouvé la petite. Ok, on y va. Il a le sens du confort, le mec, hein, t'as vu ? Ici, il y a du porno classique, mais... il y a rien de pédophile, a priori. C'est froid, ça a déjà figé, ça. Le mec a commencé à se faire à manger, il est parti en plein milieu. Ah oui, il a même pas pris le temps de passer un tour de clé. Bon, moi, je vais rester en bas, je vais le planquer. Jusqu'à l'heure légale, ok. Je vais aller au bureau, moi, je vais voir si on peut rien trouver d'autre sur lui. Non, je dors pas. Qu'est-ce que tu fais ? Rien de spécial, et toi ? Bah, je suis en planque, là. On a peut-être identifié le mec, tu sais. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bah, il a tué, violé une gamine, il l'a balancé sur le périph. Oh là là, quelle horreur. Et vous pouvez pas l'arrêter parce qu'on est en pleine nuit, c'est ça ? Voilà. De toute façon, il est pas chez lui, alors. Allô ? Qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Oh, c'est Jeannette qui vient de me faire peur, là. Oh, t'as appelé ta petite Jeannette pour qu'elle vienne en planque avec toi. Comme c'est mignon. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Passez une bonne soirée. Tiens, j'ai peut-être aller en boîte, moi. Ah, ah, ah. Bon, dors bien. Ouais, merci, je t'embrasse. Ouais, moi aussi, je t'embrasse. Ciao. Je te fous, là ? Et toi, pourquoi tu m'as pas appelé ? Bah, je sais pas, t'étais pas en vacances avec ta fille. Bah, on est rentrés hier. Elle est repartie aujourd'hui au ski avec son père. Du coup, j'ai appelé Bélier pour aller boire un verre. Elle m'a parlé de votre suspect. Et t'en as déduit que j'étais ici ? Moi, je voyais pas rentrer dormir sur tes deux oreilles jusqu'à l'interpellation. Moi non plus, j'avais pas sommeil. Il est pas là ? Non. C'est bizarre qu'il ait déposé le corps si près de chez lui sans même se donner la peine de le cacher. C'est pas logique. Bien sûr, t'as regardé le fichier des disparitions. Bah oui, mais y a rien qui correspond à notre gamine. Bon, c'est peut-être une étrangère ou une clandestine. Oui, ou peut-être que la famille s'est pas encore aperçue de la disparition aussi. C'est pas normal. Allô, Hakim, il y a des flics chez toi. Merci beaucoup. Hein. Je pense pas que la gamine ait mis les pieds ici. Par contre, je viens de recevoir des résultats biologiques plutôt contradictoires. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on a trouvé des cheveux blonds féminins sur ses vêtements et vérification faite, ses cheveux ne lui appartiennent pas. Ça veut peut-être dire qu'on lui a mis des vêtements qui appartiennent à une autre fillette. Oui, c'est possible. Mais plus petite qu'elle. Et il y a moyen d'avoir la provenance du t-shirt et du survêtement ? Non, ça m'étonnerait. D'après l'usure, il date de plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est un produit de bonne qualité, mais de grande distribution. Il n'y a ni étiquette, ni couleur d'origine. Ah oui, on a aussi trouvé des paillettes de maquillage sur le col. Mais bon, tout ça ne mènera pas bien loin. Et les prélèvements ADN ? On a des traces d'origine étrangère organique dans le vagin et dans la bouche, mais il y a un problème. Quel problème ? C'est que ces traces sont en très petite quantité. Pour les analyser, il faudrait les reproduire. Sauf qu'on a aussi trouvé un agent inhibiteur qui empêche l'amplification de ces molécules d'ADN, donc leur analyse. Ah, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance d'avoir l'ADN du tueur ? Sans doute pas. Putain. Attends, ça va. Ça ne vaut pas une empreinte génétique, mais on va trouver cet agent inhibiteur et quand on l'aura trouvé, on aura peut-être une piste intéressante. Ouais, on aura peut-être une piste intéressante. Je suis en voiture, c'est pas prudent de téléphoner. Je te rappelle du bureau. Pourquoi tu m'as pas rappelé ? T'as pas eu mes messages ? Tu vas travailler aujourd'hui ? Évidemment que je vais travailler, on est lundi. Bon, il faut que je raccroche. J'ai pas envie de me faire arrêter, de perdre des points parce que je suis au téléphone. Il faut que je te voie. Pff, Angela. Je t'attends à la maison à 2h. Je serai seule. Ouais. Fedich est comptable de formation. Après sa sortie de prison, il a repris son ancien boulot. Là, il bosse en freelance pour des garages, des commerçants, des trucs comme ça. Tu les as contactés ? Ouais. Ceux que j'ai eu au téléphone sont plutôt contents de son travail. En même temps, il n'y a personne qui le connaît vraiment. Tout se passe par Internet et par courrier. Il était condamné pour proxénétisme, hein, t'as vu ? Ouais, c'est pas un vrai mac, hein, attention. Il a pas mis les filles sur le trottoir. Il est tombé sous le coup de la loi parce qu'il a sous-loué des studios à des putes. Ce serait bien de contacter une de ses anciennes locataires. Il est peut-être planqué chez l'une d'entre elles, non ? Non, ça, je crois pas. Il leur faisait payer la chambre 4 fois le prix du loyer normal. C'est même probablement une de ses filles qui l'a dénoncé. Et personne n'est venu le voir quand il était en prison. Salut. Salut. Bon, l'opérateur n'arrive pas à localiser le portable de Fedich. Il l'a probablement éteint, mais je viens de recevoir ça. C'est la liste des derniers appels entrant et sortant. Le dernier appel date d'hier, 12h15. Ah ben, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fini ses raviolis, qu'il n'a pas fermé sa porte à clé. Ok, c'est un 01. T'as l'adresse ? Une cabine téléphonique située à Saint-Léger-en-Yvelines, sud-ouest de Paris. Je vais contacter les flics du coin pour qu'ils puissent isoler la cabine. Ben, c'est déjà fait. Vers 12h, Fedich est chez lui, il bouffe. 12h15, il reçoit un coup de fil, il se casse aussi sec. 3h plus tard, on retrouve une gamine, morte. À 300 mètres de chez lui. Avec ses empreintes sur les chevilles et les avant-bras. Ça, c'est les faits. Maintenant, pour ce qui est de l'interprétation. Bon, je prends une douche. Vous me prévenez s'il y a du nouveau ? J'ai un rendez-vous en début d'après-midi que je ne peux manquer. Vous reportez mon déjeuner. Ah, et puis vous annulez ou déplacez également les autres rendez-vous de la journée. C'est noté. Tu vas être crevée, non ? Non, ça va. Ah, et dis-moi, puisque t'es à la maison, tu peux... Tu peux aller chercher des légumes pour Rodolphe, s'il te plaît ? Et des compotes allégées en sucre ? Quoi comme légumes ? Je sais pas, n'importe. Carottes, courgettes, comme tu veux. Ok, carottes, courgettes. Et des petits pois ? Ok, s'il y en a, je veux bien. D'accord. Et des compotes.
Et tu m'appelles si tu rentres pas dîner. D'accord, ça marche. Je t'embrasse. Moi aussi. Oui, Béline. Oui, Martin. Oui, on a identifié l'agent inhibiteur de polymérase. Ah, c'est quoi alors? C'est un détergent du sodium lauryl sarcosinate. Plus couramment appelé le sarcosil, et c'est pas une blague. Les muqueuses de la victime en étaient enduites. Putain, le salopard, il a prévu le coup hier. Ouais. Et je dirais même que la personne qui a lavé le corps post-mortem savait exactement ce qu'elle faisait. Et y a quand même un moyen d'analyser les échantillons organiques que t'as prélevés ou pas? Écoute, on essaie plusieurs trucs. La dilution dans de l'eau stérile, etc. Mais j'y crois pas trop. J'ai bien peur que côté biologie, on soit foutu. De merde. On a quand même les empreintes. Oui, moi, ce que j'aimerais avoir, c'est le bonhomme. Tu vas me raconter exactement ce qui s'est passé. C'est Fedich qui t'a appelé. Bien sûr, il te demandait du fric. Tu as arrêté ton traitement depuis quand? Je me suis jamais senti aussi bien. Arrête, Angela. Je vais te reposer la question. Deux mois. Ouais, je dirais environ 15-20 000 euros, quoi. Donc c'est sûr, il va revenir. Je vais mettre en place une surveillance permanente. Il a aussi acheté une grosse BMW. Il est propriétaire de son appartement. Tout ça en sortant de prison. Ça vient de savoir de bien tout ce fric, non? Il en a peut-être mis pas mal de côté en louant ses studios à des putes. Non, 300 000 euros, ça fait beaucoup. T'essaies de voir avec sa banque? Je m'en occupe. Tu es sûr que personne ne l'avait rentré chez toi? Tu sais bien que c'est pas possible. La propriété est isolée et elle était avec moi dans le 4x4. Personne n'a pu la voir. Tu as rien gardé de ce qui lui appartenait? Tu es sûr que tu n'oublies rien? Quand t'as appelé Hakim pour qu'il vienne t'aider? Je n'ai pas utilisé mon portable. Je l'ai appelé d'une cabine. Celle au bout de l'allée? Oui. Et... Tu es bien sûr d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de traces? Oui. Je l'ai bien lavé. Faut que tu reprennes ton traitement immédiatement. Je supporte plus les effets secondaires.
On va demander au docteur Gérard de voir ce qu'il peut faire pour ça, mais tu reprends tes pilules dès ce soir. Tu sais ce qui va se passer si tu le fais pas. Je suis pas mal débrouillé, non? Charlie, tu es le père de deux filles de 10 et 12 ans. Tu dois reprendre ton traitement. Je ne leur ai jamais fait de mal et je ne leur en ferai jamais. Je préférerais me tuer. Attends-toi à ce que les flics débarquent dans ton village d'un jour à l'autre. Ils viennent même t'interroger chez toi, poser des questions à ta femme et à tes filles. Elles n'étaient pas là, elles sont en vacances. Elles rentrent demain. Tu sauras leur répondre sans paniquer? Dis-moi. Il y a eu d'autres problèmes avec tes enfants avant celle-ci? Tu veux dire depuis quand? Je te parle de ces derniers mois. Non. Non. Je te jure que non. Sa banque a reçu toute une série de virements de moins de 5000 euros. Il y en a une soixantaine échelonnés sur les 10 dernières années. Ça a été transféré depuis des établissements financiers qui sont situés sur les îles anglo-normandes, Luxembourg, etc. Bref, dans des paradis fiscaux, quoi. Chantage? Assassin pédophile et maître chanteur, non, ça colle pas. S'il y a chantage, c'est lui qu'on devrait faire chanter. Oui. En plus, ces virements sont bien antérieurs au meurtre. Ouais. Je repense à ce qu'a dit Bélier sur les empreintes de fétiche qu'on a retrouvées sur les chevilles et les poignets de la petite. Ça correspondrait plutôt à des prises pour soulever un corps, non? Parce que, entre les cuisses, il y a des traces de doigts, mais il n'y a pas d'empreintes. Elles ont été nettoyées avec un détergent, du Sarkozyl. Quoi? Du quoi? Du Sarkozyl, c'est un détergent qu'on utilise pour... Ah, ça te fait marrer, ça? Ben, non mais... Tu veux dire que Fétiche aurait juste transporté le corps après coup? Bah oui, mais il a peut-être fait le boulot pour un pédophile friqué, hein, non? Ouais, ça se tient. Moi, j'ai fouillé l'ordi de Fétiche. Il y a des mails de boulot, il y a des sites de cul, mais classiques. Il y a la bourse, des jeux, et c'est tout. Normalement, les pédophiles, ils débordent de littérature et de photos dégueu. Ils passent leur vie sur des sites interdits. Là, il n'y a rien. Fétiche, il n'a pas le profil d'un pervers. Bah pourquoi il a laissé ses empreintes? Bah parce qu'il n'a pas fait gaffe. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait qu'on peut prélever des empreintes sur la peau. Puis il n'y a pas beaucoup de techniciens qui savent le faire non plus. Ce gars a collé ses mains sur le corps de la gamine. Violeur ou pas, il est dans le coup. De toute façon, pour l'instant, c'est le suspect numéro un. Même s'il n'a pas un passé de pédophile, il y a un début à tout. Là-haut, il vous attend. C'est qui cette fille? Tu lui fais confiance? Elle sait rien. C'est la nana de mon co-détenu. Je lui file du blé pour me planquer. Tu sais, je crois bien que ton cinglé de frère a prévenu les flics. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Si je suis foutu, il est foutu, toi aussi. Je crois pas que Charlie t'ait dénoncé. C'est bien que ce serait stupide. Mais en tout cas, les flics sont chez moi. À 2 minutes près, je me faisais avoir. J'ai dû me séparer du corps en catastrophe. Tiens. Il y a quoi, là? 10 000 euros, tu te fous de moi? Je sais. C'est en attendant. Pour te dépanner, combien il te faut? 2 millions d'euros. Ça fait beaucoup. Beaucoup? J'ai plus de boulot, plus d'appart, plus d'argent. J'ai abandonné ma bagnole en catastrophe. J'ai tous les flics de France au cul. Si je reste ici, je suis bon pour 20 ans de tôle. Et tu trouves que ça fait beaucoup? 2 millions, ça peut prendre un peu de temps. Je dois rester très discrète. Tu les auras en plusieurs fois. Tu irais où? Dans un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec la France.
En Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Comment tu vas faire pour passer à l'étranger? Avec toi. Dans ta voiture. T'es fou. Tu me parles pas comme ça. Le fou, c'est ta pourriture de frère. Moi, je suis celui qui arrange tes coups. Demain. Demain, c'est trop tôt. Faut le temps de faire les faux papiers. Et après-demain, alors. Plus tard, c'est trop dangereux. Bon, après-demain. Je sais pas si Charlie l'a fait, mais je tiens à te dire merci. Une fois de plus, tu nous as sauvé la vie. Bah, viens la refaire avec moi, ta vie. Je peux pas le laisser tomber. Il est perdu sans moi. Ouais, Martin, c'est moi. Attends une seconde, s'il te plaît. Salut, Flora, un café. On vient de retrouver la BM de Fétiche garée dans le parking de Red Orley. Une équipe de la PTS a été dépêchée sur les lieux. Du sucre. Elle aurait pris l'avion, j'ai du mal à y croire. On va quand même être obligé de se faire tous les listings de passagers. Ouais, bon, on va appeler du renfort. Putain. Quand je pense que dimanche, il y avait des flics partout à Pantin pour ramasser les sans-papiers. C'était tellement occupé à emmerder ces pauvres gens que Fétiche aurait pu transporter 10 gamines dans sa caisse. Sans qu'ils le remarquent. Bah oui. J'ai reçu un fax des collègues, ceux qui enquêtaient sur Fétiche pour son histoire de proxo. J'ai regardé, il n'y a pas grand-chose de neuf, il y a juste un truc, je ne sais pas si ça peut servir. Il a de la famille à Tarente, c'est dans l'extrême sud de l'Italie. Alors lui, il est allé là-bas souvent, et puis surtout quand il était en prison, il recevait courriers et colis de sa famille italienne. Kim, c'est pas un nom italien? Non, sa mère était libyenne. Alors attends, on pourrait demander à la police de Tarente s'il n'y a pas des cas de mort de fillettes signalés ces dernières années, avant et après le séjour de Fétiche en prison, hein? Ouais. Je vais le faire, moi. T'as l'air crevé. Va te reposer un peu. Ah, merci. Je vais faire du café. Oui, on est là? Non, c'est moi, Fabienne. Je dérange pas? Non, chérie. Mon rendez-vous vient de partir. Vous avez fait bon voyage? Oui, très bon.
Dis-moi, je t'appelle parce que Christophe, le jardinier, m'a demandé s'il pouvait nettoyer la remise et réparer l'ancienne serre pour y faire pousser des boutures. Ça ne te pose pas de problème ? Allô ? Allô ? Il n'en est pas question. Mais pourquoi ? Cette vieille serre est dangereuse pour les filles. Fabienne, je veux qu'on laisse les choses en l'état. Un point, c'est tout. Personne ne touchera à la serre. Très bien, Jean-Charles. Comme tu voudras. Tu rentres tard ? Non. Sans doute pas. Je t'appellerai. Bon, il faut que je file. D'accord, à ce soir. N'oublie pas qu'on est invité chez nos voisins. Je t'embrasse. Je vous remercie, merci. Je viens d'avoir un flic de Tarente. Et alors ? Il m'a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait aucun meurtre ou disparition de fillette dans sa circonscription depuis sa nomination qui remonte à plus de 10 ans. Mais qu'il allait quand même faire des recherches. De toute façon, il me rappelle s'il y a du nouveau. On a une chance sur un million. Pourquoi ? T'as une autre idée, peut-être ? Bonsoir. Bonne journée. Et toi ? Content d'être rentrée ? Oui, les filles m'ont épuisée. Vivement la rentrée. Et toi, raconte ta semaine au calme ? Bah rien. La routine. On doit être chez les voisins à quelle heure ? 20h. Où sont les filles ? Dans leur chambre, je crois. Je vais leur dire bonsoir. Thank you.
Mais... Salut, salut, salut. Commissaire Martin? Oui. Ici le commandant Lombardi. Je suis encore dans les archives et j'ai trouvé un certain nombre d'éléments que je peux vous résumer. Vous avez le temps, là? Ah, ben oui, oui. Carrément, oui, oui. Allez-y. Alors, en juin de l'année 1998, une jeune fille de 13 ans d'origine autrichienne a disparu pendant son séjour à Taranto. Elle a été retrouvée 3 jours plus tard, morte au pied d'une falaise. D'après le rapport du légiste, la cause de la mort n'a pu être précisément identifiée. Peut-être la chute, peut-être une blessure antérieure à cette chute. Par contre, il y avait des lésions vaginales et anales qui ont déclenché une enquête pour enlèvement, séquestration et viol sur mineur. Mm. Il y avait des traces de salive et de sperme, mais l'ADN étranger n'a jamais été identifié car le corps de la jeune fille a été nettoyé post-mortem avec un détergent très puissant qui a détruit pour l'essentiel les traces organiques. Ah, putain. Oui? Non, continuez, continuez. Par contre, on est arrivé à prélever une empreinte sur le corps de la victime. Empreinte qui n'a pas été identifiée, hein? Je vais vous envoyer un scanner à tout hasard, avec bien peu d'espoir que vous puissiez identifier 14 ans après les faits. Bon, ben écoutez, j'attends votre mail en tout cas. Merci, hein. Ma di niente. Merci. Prego, prego. Arrivederci. Tu crois que c'est le même type à 14 ans d'intervalle? En tout cas, c'est pas fétiche, elle est pas répertoriée. Mais moi, je crois pas aux coïncidences. On retrouve une gamine morte 14 ans après, dans les mêmes circonstances que la gamine du périph. T'as tout qui concorde. T'as l'âge, le viol, l'utilisation d'un détergent qui détruit l'ADN. Elle fétiche a un lien géographique avec les deux affaires. Et tu vois, je suis sûr d'une chose maintenant. C'est qu'il y a une autre personne qui est impliquée. C'est son empreinte qu'elle a. C'est l'empreinte d'un tueur qui n'a jamais été identifié. C'était bien ce dîner, non? J'ai pas très bien compris ce qu'il faisait comme métier, mais apparemment, il gagne beaucoup d'argent. Tu sais, je me demande comment on peut vivre sans enfant. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je te regarde. Qu'est-ce qui se passe? Un souci? Non. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ta crème de nuit qui sent comme ça? Je sais pas, peut-être. Eh ben, mon pépin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux qu'on essaie d'aller voir ce qui se passe? Du calme un peu, là. Des filles, amusez-vous.
Bonjour, monsieur. On fait le tour de toutes les maisons du quartier. On recherche deux fillettes qui ont disparu depuis dimanche. Deux fillettes? Désolé, ça ne me dit rien. Vous devriez plutôt demander à mon épouse, elle est là plus souvent que moi, mais elle est en réunion à la mairie. Puis moi, j'allais partir au travail. Mais je vais vous donner son numéro, si vous voulez. Deux fillettes. C'est terrible, hein? J'espère que vous allez vite les retrouver. Moi aussi, j'ai deux filles. Bien, merci. Bonne journée. Bonne journée. Là ? Oui. Il n'y a pas d'adulte avec vous ? Non, il y a avec notre mère. Comment vous vous appelez ? Anita. Monica. C'est joli, ça, comme prénom. Monica Eckert, elle a une petite sœur, Anita. Elles sont de Bruxelles. Les parents sont séparés. Elle devait être en vacances avec leur mère. Elle est où, sa sœur ? Elles ont quand même un père, ces gamines. Il est où? Bah, ça serait bien de le trouver, de le prévenir, déjà. Il arrive à quelle heure, Olivier? Je ne vois pas tarder. Tiens, regarde. Ça, c'est le parking où il y avait le camping-car de la mère, ici. D'accord? Ça, c'est la cabine téléphonique de Fédiche a été appelée dimanche midi. Les petites ont été enlevées sur ce trajet, entre le parking et la cabine téléphonique. On va répertorier toutes les agressions à caractère sexuel qui ont lieu dans le secteur. Ouais, et faire la liste de tous les délinquants sexuels qui sont dans le secteur, surtout. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu te retrouvais dans un pays que tu connais pas avec ta mère morte? Je demande de l'aide à la première grande personne que je trouve. Mais sauf que la personne à qui elle demande de l'aide les a enlevées, tuées et violées au moins l'une d'entre elles. Et ensuite, cette personne a appelé Fédiche. Et Fédiche est venue faire le ménage comme 14 ans plus tôt en Italie. Si l'autre gamine est encore en vie, elle est quelque part par là, j'en suis sûr. Pensez à tout. C'est merveilleux. Quand je pense à ton talent, c'était si belle. C'est loin, tout ça. Quel gâchis. C'est à cause de lui? Il a bousillé ta carrière? Non, j'étais juste mauvaise, Hakim. T'étais pas mauvaise. C'était magique. Tu viendras me rendre visite quand je me serai installé dans ma nouvelle vie? J'aimerais bien, mais je peux rien nous promettre. À cause de ton frère. Bah, tu devrais être tranquille pendant un moment. Il a quand même attendu 14 ans avant de recommencer. Putain, il s'est jamais arrêté, c'est ça? Il en a violé combien? Ce sont après tout ton problème. La prochaine fois, faudra vous débrouiller sans moi. Mmh.
a une soixantaine de crimes et délits sur 10 ans dans le périmètre Gambé, Plaisir, Montfort-la-Maurie, Saint-Léger-en-Yvelines. Ça va du viol en réunion dans la cave d'un immeuble à l'exhibition simple en passant par des agressions sexuelles de toutes sortes sur majeurs et sur mineurs. Les plaintes pour violence conjugale, faut les ajouter aux premières ou pas? Non, pas dans un premier temps. Donc pour la plupart des délits, les auteurs ont été identifiés, jugés et condamnés à des peines de prison qui varient de quelques semaines avec sursis à plusieurs années ferme. Et apparemment, il n'y a pas de pédophiles dans le coin. Enfin bon, ça c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que c'est des gens riches. Ils ont les moyens d'aller violer des gamins ailleurs que devant leur porte. Ils peuvent même y aller en classe affaires s'ils ont envie. En Afrique, en Asie, je sais pas. En Italie du Sud. Ouais, c'est un peu simpliste, mais c'est pas faux. Sauf que quand cet enfoiré s'est retrouvé seul, face aux deux gamines, livré à elle-même, eh ben, il n'a pas pu résister. Tu es déjà rentré? Ouais. Je me sentais pas bien. Ah? Tu as l'air contrarié. Non, c'est juste que le jardinier va arriver. Je ne voudrais pas te déranger. Dès demain, il va organiser le potager. C'est pour ça que je voulais qu'on remette en état l'ancienne serre. Non. Tu sais que je n'aime pas qu'on change tout chez moi. Je pensais être aussi un peu chez moi, au bout de 11 ans de mariage. Ça, j'en suis aperçu. Qu'est-ce que tu entends par là? Regarde. Et non. Super. Tu veux un coup de main? J'aimerais bien avoir un autre enfant. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Non mais attends, je dis pas ça en l'air, hein. J'ai plein d'arguments. Tu veux que je te les donne? Vas-y. Alors, un, c'est super les gosses. Deux, Rodolphe serait pas un enfant unique. Trois, ils seront deux pour s'occuper de nous quand on sera vieux. Je te signale que j'en ai déjà deux, moi. Mais toi, tu penses qu'à ta gueule. Et 4, j'ai 35 ans et je pense que c'est le bon âge pour avoir un deuxième enfant. Non, mais alors, je sais que ça tombe pas hyper bien au niveau professionnel, mais bon, en même temps, ça tombe jamais bien, donc... C'est reparti pour les couches, les biberons, les maladies infantiles, les rendez-vous chez le pédiatre. Puis bon, pour perdre mes kilos, ce sera moins facile, mais... En fait, je crois que je crève d'envie que tu me dises oui. De toute façon, tu feras comme tu voudras, non? Quoi? Non, j'ai dit, de toute façon, tu feras comme tu voudras. Ben non. Enfin, si je t'en parle, c'est parce que je veux que tu participes. Enfin, je veux dire que t'en aies envie, toi aussi, qu'on le fasse tous les deux. Enfin, j'ai pas envie de faire un gosse toute seule. Mais bon, toi, apparemment, l'idée t'enchante pas, donc... Non, c'est pas ça. C'est... Là, tu me prends de court, bon, en gros, ça veut dire non. Je suis à la recherche d'une gamine dont la sœur a été tuée, violée et balancée comme une... comme un détritus au bord du périph. Et toi, tu veux que je te dise quoi? Super, on fait un gosse? Et pourvu que ce soit une fille? Tu mélanges tout, Martin, là. Bah oui, peut-être, je mélange tout, sûrement. Ouais. Oh, merde. Oh, merde. Ah, ça. Retrouvée morte aux abords du périphérique dimanche, vient d'être identifiée. Il s'agit de Monica Eckhart, de nationalité belge. Elle était en vacances en France pour les fêtes de Pâques avec sa mère et sa sœur. Madame Eckhart a été retrouvée morte dans son camping-car à la gare de Plaisir. Elle aurait succombé à une crise cardiaque. La petite sœur est portée disparue. Elle s'appelle Anita. Elle est âgée de 10 ans. Restez bien avec nous puisque dans un instant, c'est l'heure de votre revue de presse. Zu optimistisch. Oskar Mann, Dietrich Klein, die
Charlie, on peut parler. J'ai donné son compte au jardinier. Il va déménager ses affaires d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. En attendant, tu acceptes qu'on continue à dormir ensemble. C'est pour les petites. Pourquoi? Tu as peur qu'elles soient traumatisées si elles doivent dormir séparément? Non. Enfin, si. Tu connais Mathilde. Elle est fragile. Elle est en plein doute. L'autre jour, elle m'a même dit qu'elle ne croyait plus. En Dieu? Ben oui, bien sûr. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que j'ai envie de t'en coller une entre les deux yeux. Mais comment peux-tu être aussi conne, ma pauvre Fabienne? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Dieu? Je regrette. Tellement. Je suis fatiguée. Vais me coucher. Alors, tu veux bien qu'on dorme ensemble? Si tu veux. Et si je t'étrangle pendant que tu dors, il ne faudra pas m'en vouloir. Allô, Martin? Ouais, Jeannette. Il y a quelqu'un chez Fétiche, la lumière vient de s'allumer. Dépêche-toi. J'arrive, à tout de suite. C'est lui qui t'a demandé de venir ici? Attends, tu nous prends pour des couillons ou quoi? Il est où? J'en sais rien. C'est toi qui l'as aidé à choper la gamine? Quelle gamine? Elle habite Bagnolet. Il est chez toi? Non. Alors on y va. Mais non, mais il est pas chez... Allez, ok, c'est parti. Personne, vide. Ok. Bon, bah écoute, on repasse demain avec la police scientifique. Ils vont retourner votre maison dans tous les sens, là. Et on prouvera que Fétiche est bienvenue ici. Comme ça, vous serez comme la femme de Dutroux, condamnée à perpétuité pour complicité de séquestration, viol et assassinat sur mineur. Ça va, ça? J'ai rien fait. Je lui ai rendu service, c'est tout. Il était détenu à Fresnes avec mon mec. Il a passé que deux nuits ici. Ah ouais, 15 000 euros pour deux nuits? Putain, tu parles d'un service, toi? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il est parti quand? Il est parti ce matin. Il y a une femme qui est venue le chercher. Quelle femme? Je l'avais jamais vue, une bourge, la cinquantaine est pleine de fric. Ils sont partis comment? En voiture. Quelle voiture? Je sais pas, une grosse voiture bleue. Bah toi, nous aide à faire portrait robot de cette femme. Ok, merci. Dis pas quelque chose, ce visage. J'ai l'impression que j'ai déjà vu quelque part, pas toi? Non, je vois pas. Il y a le père qui monte. Enlever les photos. Charge de cet individu. C'est lui qui a tué ma fille? On sait pas encore. On pense qu'il a pas agi seul. Est-ce que ce portrait robot vous dit quelque chose? Une femme d'une cinquantaine d'années, élégante, riche, qui conduit un coupé Bentley. Il a une complice? En tout cas, on pense qu'elle l'a aidé, ça c'est sûr, mais...
Tant qu'on n'a pas retrouvé Anita, il y a un espoir, Monsieur Eckhart. Je peux savoir où vous étiez dimanche soir? Ouais. Fétiche a été retrouvée pendue hier soir, en Sologne. Ces crétins de gendarmes ont fait l'identification que ce matin. Putain, le temps qu'on a perdu, c'est pas possible. Il faut absolument que ce soit Bélier qui fasse les analyses. Non, mais je sais, j'ai fait rapatrier le corps et toutes ces affaires. Et avec les Bentley, t'en es où? Il y en a plus de 150 d'immatriculés à Paris et dans les départements limitrophes, alors je... Bah, tu ferais mieux d'aller voir les concessionnaires avec le porte-à-roue, non? Ouais. On gère tout. Attends, c'est qui le mec? Le père des petites. Charlie, où est la deuxième petite fille? Quelle fille? Tu te moques de moi? Il y avait une deuxième petite fille, la sœur de la première. C'est dans toute la presse, ça. Non, je te jure, il n'y en avait qu'une. Elle peut pas avoir disparu comme ça. Mais je sais pas, j'y suis pour rien, je t'assure. Je t'en supplie, si tu as cette petite fille... Admettons une seconde que je l'ai. Tu voudrais que je fasse quoi? Que je la relâche? Et qu'elle puisse m'identifier? Non, t'inquiète pas. Je te jure, j'ai jamais vu cette petite fille. Je te jure sur la tête de mes enfants. J'espère que c'est vrai. J'espère vraiment que c'est vrai. Évidemment que c'est vrai. Tu as repris ton traitement? Oui. Bon, tu as autre chose à me dire? Tu vas au bureau aujourd'hui? Non. Tu vas faire quoi? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? T'es pas ma mère. Tu m'inquiètes quand t'es comme ça. J'espère que tu me mens pas. Qu'il va pas y avoir une autre catastrophe. Hey, buddy. Charlie. T'en fais pas pour moi. Tout va bien. Je t'embrasse. Merci. Ce ne sont pas des catastrophes, Angela. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce sont des crimes. Ton frère est un criminel. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle. Pardon, excusez-moi. Oui, Bélier, je vous laisse. Merci. En fait, je n'ai rien à dire. Et ce rien est plus intéressant que beaucoup d'indices matériels. Tu peux être plus clair? Absolument. Ses vêtements sont neufs. Ses chaussures aussi sont neuves. Regarde la semelle, pratiquement aucune usure. Mais il y a plus remarquable. Fétiche serait pendu dans la forêt. Ouais. Et il n'y a pas la moindre trace, pas la moindre particule, aussi infime soit-elle, du sol sur lequel il aurait dû marcher pour arriver à l'arbre auquel on l'a retrouvé pendu. Ces chaussures n'ont jamais foulé le sol de cette forêt. Le rapport signale des traces de pneus. À part la pluie, le rapport signale rien. Rien, ouais. Rapport est nul, complètement nul. Et les analyses toxicologiques? Il y a des traces de somnifères dans le sang et les urines. Une molécule banale de la classe des benzodiazépines, en vente dans le commerce sous une demi-douzaine d'appellations. Ah, ça pourrait cadrer avec un suicide, non? Bah, avant de se pendre, les candidats prennent parfois des calmants. Il est plus rare qu'ils arrivent à pied d'œuvre sans toucher terre. Bon, t'as pu voir le corps, non? Il est en cours d'autopsie. À première vue, aucune trace de violence ni de lien. Mais à part le cou qui est anormalement distendu, comme s'il était tombé très haut. Bah oui, mais c'est pas le cas, la branche était à 4 mètres. Tu sais, je crois savoir comment le tueur s'y est pris. Ce qui expliquerait pourquoi les semelles sont vierges de toute trace. Ça m'a rappelé le cas de ce scientifique anglais dans les années 80 qui se serait suicidé ou qui aurait été assassiné de cette manière. Il s'est passé une corde autour du cou. Il a accroché la corde à un arbre, il est monté en voiture, il a démarré. C'est quelque chose dans ce genre qui a dû se passer. Sauf que là, au volant, c'est pas Fétiche, mais le tueur. Il l'emmène sous un arbre et il le pend. Oui. Ah, on a trouvé un seul concessionnaire de Bentley sur Paris, la région à Neuilly. J'ai renvoyé Olivier. Oui, allô? Oui, mais bon, excuse-moi, je te rappelle. Oui, bah rappelle-moi dans 2-3 jours quand t'auras le temps, hein? Appelle Olivier, tu lui dis que c'est un cabriolet qu'on cherche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est évident.
Fedich a été pendu quand il était dans la voiture et il n'y a pas de contusion sur son corps, voilà. C'est bon, je ne savais pas, c'est Bélier qui t'a appris ça. Qui d'autre? En fait, ça m'a paru déplacé que tu demandes son emploi du temps au père tout à l'heure. Ok. J'ai posé les questions que je devais lui poser. Excuse-moi de faire mon boulot de flic. Ouais, Olive. Ouais. Il y a Martin qui voudrait qu'il vérifie les cabriolets en priorité. Ouais. Ouais, c'est moi. Ça va? Ben, ça va super, et toi? Je suis désolé pour tout à l'heure, excuse-moi. T'avais quelque chose de particulier à me dire? Ouais, qu'on avait... retrouvé notre suspect pendu au fond d'un bois, voilà, c'était ça. C'est super. Attends, je vais te passer Jean-Luc, c'est lui qui s'occupe des faits divers. Marion, s'il te plaît. Je voudrais juste que tu me préviennes quand tu rentres pas, c'est quand même pas compliqué. Tu vis pas tout seul, Martin. Juste un texto, non? Ouais, c'est vrai, j'aurais dû. T'as dormi où? J'ai pas dormi, j'ai bossé. J'ai vu le père des filles tout à l'heure. Tu sais quoi? Non. Mais m'a remercié. De quoi? J'aurais préféré qu'il m'engueule, tu vois. Je suis incapable de retrouver sa fille. Kim Fedich, le présumé ravisseur des deux petites Belges, Monica et Anita Eckhart, pendues dans la forêt en Sologne. D'après le procureur de la République d'Orléans, rien ne permet de penser qu'il s'agisse d'autre chose que d'un suicide. Les enquêteurs n'ont trouvé aucun indice de la présence de la fillette disparue sur les lieux. L'enquête se poursuit dans la région parisienne, d'où Kim Fedich était originaire et où l'on a retrouvé le corps de Monica. Fin de ce flash, tout de suite, le point route avec toujours des difficultés sur la 11 en direction... Ouais, c'est moi. Personne n'a reconnu le portrait robot ici. Mais merde. On n'a pas le choix, il va falloir qu'on fasse le tour des 40 propriétaires de cabriolets. En plus, c'est que des noms de société, là. Avec le temps que ça va prendre, si on avait une petite chance de la retrouver vivante, maintenant c'est foutu. Tu dis quoi, Jeannette, là? Je dis que c'est la merde. En plus, cette voiture, Yann nous dit qu'elle est immatriculée en Île-de-France. Attends, il doit bien avoir un moyen, bordel. Il y a bien un moyen. Je rapplique, là, de toute façon, d'accord? Si elle a une Bentley, c'est qu'elle a du fric. Peut-être même qu'elle est connue, voire célèbre. Oh, j'ai l'impression de la connaître, c'est fou. Personnellement, tu veux dire? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Qu'est-ce qu'on a? La dernière personne qui a vu Fedich vivant, c'est cette femme. Ils sont partis ensemble. Et on le retrouve pendu. On peut raisonnablement penser qu'elle l'a tué soit pour l'empêcher de parler, soit parce qu'elle allait lui demander trop d'argent. Elle est donc impliquée jusqu'au cou. Et dans la vie, quel genre de bonne femme pour être complice d'un pédophile? Sa mère? Sa femme? Sa sœur? Non, moi, si j'avais un frère pédophile, je l'aiderais pas. Même si c'était ton fils, ce serait différent. Je sais pas. J'ai pas de fils. Bah oui, mais... ce serait différent. Peut-être. Oui.
T'as quand même pris des sacrés risques hein, pour tuer Fédiche en plein jour, comme ça. N'importe qui aurait pu l'avoir. On doit bien connaître le coin, en tout cas. Tiens, ça serait bien d'étendre les recherches aux immatriculations, Soling. Elle a l'air belle. Je verrais plutôt jouer dans un épisode de Star Trek, là. On commence par quoi? Le premier de la liste? Oui. Direction 8e arrondissement. Qu'est-ce que t'as dit, là? Quand? Juste avant, t'as dit... T'as dit, je la verrais bien jouer dans un épisode de Star Trek, c'est ça que t'as dit? Putain, c'est ça, l'affiche, bordel. Vite, on y va. Allez, vite, vite! Putain, elle était sous mes yeux, bordel de merde, je l'ai pas vu. Tiens, regardez, Angela Eastbourne. Angela Eastbourne. Bon, je vérifie sur la liste. Eastbourne, Martins, Angela, 15 avenue Frédéric Leplay. C'est dans le 7e, on y va? Non. Tiens, vérifie avant s'il n'y a pas des Eastbourne Mertens dans le 78. J'ai trouvé. Eastbourne Jean-Charles, 126 route de Monroe, Saint-Léger-en-Yvelines. La cabine d'où Fédiche a été appelée est à Saint-Léger. Eh ben, on y va, alors. Okay. Attends, on fait quoi avec la propriétaire de la Bentley? Eh ben, elle est sûrement dans le coup, tu vas avec Manu et puis vous allez l'arrêter. Y a quelqu'un? C'est moi. Charlie? Tu es là? Les filles sont chez mes parents. Je vais passer le week-end avec elles. Qu'est-ce que c'est que ce fusil? Qu'est-ce que tu fais? Ça. Jean-Charles Eastbourne? Oui. Hein? Où est Anita? Je comprends pas, mais je connais pas d'Anita. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Attendez, vous fatiguez pas, c'est tout. Où est Anita? Je ne sais pas de quoi vous parlez. D'accord. Martin, on a une femme blessée par balle. Allô? Oui, il nous faut une ambulance. 126 route de Monroe, Saint-Léger-en-Yvelines. Oui. C'est qui? Tiens, fouille-moi cette baraque de la cave au bonnet. Et appelez des renforts aussi. Ah, c'est sa sœur jumelle. On n'a rien trouvé. Ouais, attends une seconde, Olivier. Vous avez fouillé les dépendances? Ouais. Les écuries, la grange, la vieille serre et la remise là-bas au fond du parc. Pas de traces de la gamine. Ok. Ouais, Olivier. Ouais, Martin. Ouais, tu ramènes la sœur Eastbourne ici tout de suite. Ok. Tout de suite, vite. Jeannette. Rien d'en tirer. Et après ta femme, t'aurais tué tes filles et tu te serais suicidé, c'est ça? Non, toi, t'as pas les couilles de te suicider, toi. Je les aime, tes filles. Tu n'as pas quelqu'un en face d'humain. Mais tu vois, Monica et Anita ont un papa aussi qui les aime. Alors Monica, elle est morte. Mais Anita, elle est encore en vie, non?
Comment s'appellent tes filles? Ce ne sont pas mes filles. Ma femme est une pute. Elle s'en va n'importe qui. Ce sont les filles du jardinier. Allez, Juanita. C'est foutu. Qu'est-ce que tu dis, là? Putain, Olivier, qu'est-ce qu'il fout, bordel de merde? Tu penses que la sœur d'Esbourne, c'est ce qu'il a fait de la petite Anita? Il y a des chances, oui. Ça va être un vrai couple de jumeaux bien fusionnel. Lui, il viole, et elle paye quelqu'un pour faire le ménage, ça s'appelle la division du travail. Alors oui, elle sait. De toute façon, on n'a rien à perdre. Je suis sûr que la petite Anita est cachée ici quelque part, j'en suis sûr. Ça peut pas être autrement. Attends, vous allez demander à votre frère où est Anita. Charlie, dis-leur que tu n'y es pour rien. Foutez de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Il n'est pas dans son état normal. Vous l'avez frappé. Bon, j'allais dire là. Vous n'avez pas le droit, je vais porter plainte. Vous n'avez pas le droit. Dehors, j'ai dit. Dehors! Ne parlez pas comme ça, ma sœur. Ne la touchez pas! Ne la touchez pas! Jeannette! Ça te fait mal quand tu touches à ta sœur comme ça? Tiens, viens là. Où est Anita? Vous allez me dire où est Anita? Je sais pas de quoi vous parlez. Ah bon? Martin! Ne lui faites pas de mal! Ne lui faites pas de mal! Ça, je vais cogner sur ta sœur jusqu'à ce que tu me dises où est Anita. Dans la remise. Dans la remise! Garde-la, garde-la, je vais. Et notre ami? Je sais pas. Il s'est foutu notre gueule, ce con. T'es une lampe. Où ça? Il y a peut-être une cave, non? Quoi? Je dis, il y a peut-être une cave. Il y a une cave. Je sais pas. Putain, il y a du sang. Là. C'est vide. Tiens, tiens-moi ça, tiens-moi ça. Pas vu ça, c'est quoi? Donne-moi la lampe. Anita! Merde, c'est quoi ça? Qui c'est lui? Huh?
Je vais rien te faire. Je te jure, je vais rien te faire. Allez, viens, ma chérie. Allez, viens. Tu vois, ça doit être ma, je sais pas, 200e victime, eh ben j'arrive pas à m'y faire. Elle a été violée ? Non. Et qu'est-ce qui va leur arriver au Eastbourne, machin ? Bah lui, il va être déclaré irresponsable. Il va finir en HP, puis elle, elle nie tout en bloc, de toute façon. Elle va s'en tirer, tu crois ? J'ai rien de solide contre elle, que des présomptions. Et je sais pas comment faire pour la coincer. T'as vu la petite? Elle me serrait dans ses bras. Elle voulait plus me lâcher. J'ai appelé son père pour qu'il aille la voir à l'hosto. Elle est solide. Elle va s'en tirer. Tant mieux. L'empreinte trouvée à Tarente appartient bien à Eastbourne. Il y avait aussi dans la serre un flacon de détergent dont la formule contient du sodium lauryl sarcosinate. Sa signature. Et le jardinier a été tué avec la carabine d'Eastbourne. Bon, pour lui, c'est bon. Et la sœur? Les analyses des affaires d'Angela Eastbourne n'ont rien donné. Pourtant, je te jure qu'on a mis le paquet. Elle a dû se débarrasser de tous ses vêtements. Son ADN n'est ni sur Fétiche, ni sur la corde qui a servi à le pendre. Je suis désolé, Martin. J'aurais aimé pouvoir t'aider mieux que ça. Tu sais, c'est pas dans mon habitude de frapper un suspect. Et encore moins une femme. Et voir. T'es à jour dans tes vaccins? Je sais pas. Bah, vérifie. Allez, on va laisser sécher ça. Le docteur Gérard a prescrit à Eastbourne un traitement pour contrôler sa libido. Ça veut dire qu'il est complice de ses actes? Complice passif. Dans la mesure où il a certainement soupçonné les crimes d'Eastbourne, sans prévenir les autorités. Enfin, ce sera pas simple à prouver. Vous le connaissez, lui? De réputation. C'est un psychiatre mondain. Il a une clinique très chic et très chère. Si vous avez un problème d'alcool ou de dépendance à une drogue quelconque, et beaucoup d'argent, sa clinique est l'endroit qu'il vous faut. Enfin là, avec votre client, il a franchi une étape supplémentaire, quand même. Quel genre de traitement peut donner le docteur Gérard un pédophile pour empêcher la récidive? Probablement quelque chose de très lourd pour inhiber la production de testostérone. Sans doute des médicaments anticancéreux. Je vous signale que j'ai porté plainte contre vous. C'est votre droit. Je vais voir mon frère. Non. Il en garde à vue, votre frère. Vous êtes inhumain. Je savais pas que ça existait, des gens comme vous, dans une démocratie moderne. C'est quoi, votre démocratie moderne? C'est les États-Unis, c'est ça? Votre pays d'origine? Vous savez comment il aurait fini, votre frère, dans votre démocratie moderne? Ficelé sur une table et piqué comme un chien enragé. Alors qu'en France, avec la loi du 25 février 2008 relative à l'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux, eh ben c'est l'État qui va s'en occuper de votre frère à sa sortie de prison. Je voudrais vous confronter à quelqu'un.
Ouais. Amène-le. Asseyez-vous là. Asseyez-vous là. Vendredi 5 avril, 12h45, confrontation entre Angela Eastbourne, sœur de Jean-Charles Eastbourne, prévenu, et du docteur Yves Gérard, médecin du même prévenu. Première question, quand avez-vous vu Jean-Charles Eastbourne pour la première fois? En 1998, à la fin de l'été. Il était accompagné de sa sœur? Oui. Pour quel motif? Il y avait eu un problème pendant leurs vacances en Italie. Quel genre de problème? Jean-Charles avait commis un acte qui s'apparentait à une agression. Qui s'apparentait à une agression? Ça, c'est ce qu'ils vous ont dit? Oui. Est-ce exact, madame Eastbourne? Non, il n'avait commis aucune agression. Il était déprimé. Cette plaisanterie a séduré, je m'en vais. Rasseyez-vous. C'est exact, il était déprimé? Non, ce n'était pas un problème de dépression. Elle m'a demandé de lui donner un traitement pour contrôler sa libido. Ce n'est pas vrai! Bien sûr que si. Vous n'avez qu'à vérifier si l'acétate de ciprotérone et la leproréline sont des antidépresseurs. Et quand avez-vous vu Jean-Charles Eastbourne pour la dernière fois? Il y a 6 mois, à peu près. Charlie avait encore arrêté son traitement. Encore? Et combien de fois a-t-il arrêté son traitement depuis que vous le suivez? Je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de tout. Et que s'était passé il y a 6 mois? J'ai aménagé les doses de façon à diminuer les effets secondaires. Et je l'ai convaincu de reprendre. Apparemment, vous n'avez pas réussi puisqu'il a enlevé 2 fillettes et violé et tué l'une d'entre elles. S'il y a eu un dérapage, je ne suis pas responsable. Un dérapage? Une fillette violée et tuée, pour vous, c'est un dérapage? Mais je me suis mal exprimé. Moi, j'en ai assez entendu. Madame Eastbourne, à partir de cet instant, vous êtes en garde à vue. Jeannette, écoute ça. Putain, tu veux qu'on a un problème de procédure? Non, excuse-moi, c'est pas grave. J'ai découvert qu'une gamine, Apolline Berger, est morte en 2005 dans le Var, près de Saint-Tropez, entre les villages de la Garde Fresnée et Plan de la Tour. Et elle, on l'a retrouvée dans le massif des morts. Qui ça? Une fillette. En 2005, 12 ans, elle a été retrouvée avec la nuque brisée. Et l'enquête a conclu à une fugue et un accident. Bah ça arrive, des fugues et des accidents, tu sais, Olivier. Ah, mais d'accord, mais là, on est en juin 2005, là. En juin, comme la fillette morte en Italie. Toi aussi, ça te fait tilter, on est d'accord? Ah ouais. Bah faudrait voir avec le docteur Gérard si ça correspond à des arrêts de traitement d'Eastbourne, voilà. On a des soupçons de sévices sexuels? Mais il n'y a même pas eu d'autopsie. Eh ben, ce sera intéressant de savoir si les jumeaux Eastbourne se trouvaient dans cette région à cette période. Il y a une personne qui peut le dire, c'est Fabienne, la femme d'Eastbourne. Est-ce que vous vous souvenez où était votre mari en juin 2005? En juin 2005? Mais comment voulez-vous que je me souvienne? Prenez votre temps pour répondre. Vos filles avaient quel âge? En 2005, Mathilde avait presque 4 ans. Oui, j'ai passé une partie du mois de juin comme d'habitude seule avec mes 2 filles. Charlie se trouvait en vacances avec sa salope de jumelles. Angela adore le sud au mois de juin. Elle y va chaque année. Elle demande à son frère de l'accompagner. Ils ne peuvent pas rester séparés depuis quelques jours. Où ça, dans le sud? Parfois en Italie ou en Grèce, ou en Baléa. Et en juin 2005, vous vous souvenez où ils sont allés? Je crois qu'ils étaient dans le sud de la France. Elle a des amis qui ont une maison à Ramatuelle. Il a fait du mal à une petite fille là-bas, c'est ça? C'est pour ça que vous me posez ces questions. Vous connaissez le nom des amis chez qui sont allés en vacances? Non, je me souviens pas. Comment je vais pouvoir expliquer ça à mes filles? C'était pas Berger par hasard? Oui, Berger, ça me dit quelque chose.
Je crois que vous avez raison, c'est ça. Je voudrais vous demander un service, Madame Eastbourne. Pourriez-vous faire la liste de tous les voyages que votre mari a fait seul ou en compagnie de sa sœur depuis que vous êtes mariée? Tout ce dont vous vous souvenez nous serait utile. Il a tué la fille des gens chez qui il était invité. Il va falloir demander l'exhumation de la gamine. On n'a pas le choix. Pauvre parent. Rien que pour ça, ce salopard mériterait qu'on le pende. On va retrouver combien de fillettes encore, à ton avis? Je suis contre la peine de mort, pas toi? C'est juste une façon de parler, Jeannette. Encore l'Italie 2009, la Grèce 2001, le Maroc 2003-2004, l'Espagne 2002-2006, mais pas la France, sauf en 2005, à Ramatuelle. On n'a plus qu'à joindre les commissariats des villes concernées. En tout cas, on a carrément sous-estimé l'implication d'Angela Eastbourne dans les crimes de son frère. Elle l'emmène une fois par an à la chasse. Elle veut que son jumeau prenne son pied en faisant la seule chose qu'il est capable de faire, c'est violer des gamines. À condition que ça se passe le plus loin possible de chez eux. Sauf en 2000, 2007, 2008, où elle a dû être occupée ailleurs. Ainsi que cette année où ils sont pas partis ensemble parce qu'elle avait des affaires à régler aux États-Unis. Ouais, d'ailleurs, elle l'a pas emmenée avec elle. Parce qu'elle veut bien qu'ils violent des gamines dans toute la Méditerranée, mais pas des Américaines. Sa façon à elle d'être patriote. C'est pour ça qu'il a craqué cette année, la pression était trop forte. Il y avait les deux gamines, là, dans la rue. Quelque chose dans leur comportement lui a fait comprendre qu'elles étaient perdues et que les parents n'étaient pas là. Et il n'a pas pu résister. Il va falloir attendre plusieurs jours avant d'avoir les résultats de la gamine de Ramatuelle. Je crois que je me suis un peu trop précipité dans la garde à vue d'Angela Eastbourne. On va la laisser filer. Et si les résultats de l'autopsie prouvent que Eastbourne est coupable alors que sa sœur était là-bas, avec lui, eh ben on aura peut-être les moyens de la faire craquer. Merci, maître. Au revoir. Chérie, il m'autorise enfin à voir Charlie. Tu pourrais m'aider à le faire transférer dans une clinique, de préférence à l'étranger. Avec tes contacts, tu peux le faire. Pourquoi pas? Je pourrais aussi demander à ce qu'il bénéficie directement d'un non-lieu. Ce serait plus simple. C'est pas sérieux. Ah bon? Ton adorable petit frère est un violeur, un tueur de fillettes, et tu t'étonnes qu'on ne puisse pas le faire libérer? Charlie est malade. Et tu trouverais normal que j'intercède auprès d'un de mes amis ministres pour qu'on le mette dans une clinique de luxe pour alcooliques mondains, c'est ça? Mais dans quel monde tu crois qu'on vit? Et comment tu peux t'imaginer une seconde que même si je le pouvais, je le ferais? Mais ton frère, ce qu'il mérite, c'est de terminer sa pauvre vie dans une cellule capitonnée encore. Ce serait trop bon pour lui. Tu le détestes? C'est votre relation que je déteste. Cette façon que vous avez de vous comporter comme si vous étiez seul au monde. Cette complicité de merde qui exclut tout ce qui n'est pas vous, vous, les Eastbourne. C'est dingue. Tu as encore cette capacité à me mettre hors de moi. Comme quoi? Peut-être qu'on n'est pas encore fini. Comme couple. Il faut m'aider, Auguste. Je te demande jamais rien, mais là, je t'en supplie. Je peux pas l'abandonner. Crois-moi si tu veux, mais notre intérêt est le même. J'ai eu la chancellerie, d'après ce que j'ai compris. Toi, tu ne risques rien. Mais c'est normal, j'ai rien fait. Ça, c'est une affaire entre toi, ton frère et votre conscience. Mais pour ce qui est de Jean-Charles, on est pieds et poings liés. Tout ce qu'on pourrait dire ou faire se retournerait contre nous. On doit se contenter de laisser passer l'orage. Les médias iront bientôt voir ailleurs. Les élections, les scandales politico-sexuels. Je me fiche des médias. Il s'agit de mon frère. Si on fait rien, il va mourir. C'est peut-être ce qui serait le mieux pour tout le monde, non?
Maman? Charlie, c'est moi. C'est Angela. Pourquoi tu m'as pas empêché d'être monstre? Tout est à cause de toi. Jamais. Ouais. Ouais, commissaire, il y a une dame qui insiste pour vous voir. Son nom? Que vous voulez? C'est moi. C'est vous quoi? C'est moi qui suis responsable de tout ce que mon frère a fait. Vous voulez dire que vous l'avez aidé à accomplir ses crimes, c'est ça? Non, mais j'aurais pu les empêcher, je ne l'ai pas fait. Je l'ai toujours protégé. J'étais au courant et je ne l'ai pas dénoncé. Je savais qu'il pourrait jamais s'arrêter. Je savais qu'il était malade et dangereux pour les autres. Je suis donc aussi responsable que lui. Vous êtes prête à signer une déposition qui va dans ce sens? C'est pour ça que je suis là. Asseyez-vous. Martin, brigade criminelle de la PJPP. Madame Angela Eastbourne est venue faire une déclaration spontanée dans mon bureau à 16h30. Martin. Plus tard. Je suis occupé. Sois gentil et ferme la porte, s'il te plaît. Thank you.